faut vraiment aller en mer pour se rendre compte. Comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est magique. De la Terre, on n'a pas la vision de la richesse de l'océan et de tout ce que ça peut apporter. Alors on connaît quelques chiffres, on sait que l'océan c'est une respiration sur deux. Protéger l'océan, c'est protéger l'avenir, c'est protéger ses enfants. Et il faut qu'on s'engage en fait dans une démarche de profond respect et puis de protection de cet environnement marin. Un bateau à voile qui déploie 80 à 100 flotteurs, on ne l'a jamais fait. Le réseau Argo échantillonnait la température et la salinité entre la surface et 2000 mètres de profondeur. On sait très bien que tout le volume qui est au fond des océans est extrêmement important pour notamment fermer le bilan de chaleur des océans. Le lever de soleil est absolument splendide. Petite partie du plancton est connue, donc il reste une biodiversité entière à découvrir. Le projet, c'est de revenir à terre avec des souches vivantes, et ce sera la première souche au tech d'aérosol du monde.